Oui. Donc c'est une base de crème anglaise. D'accord. Qu'on ne sucre pas. Okay. Et dans laquelle on vient intégrer le miel une fois qu'elle a un peu refroidi, donc en dessous de 83, on le met à peu près vers 45 degrés. D'accord. Justement pour pas altérer les propriétés gustatives du miel. J'ai la chance de pouvoir travailler avec des miels d'exception du territoire français et ça serait dommage de les dénaturer. Voilà. Et pour qu'il ait cet état-là, il est collé, ce qu'on appelle. Voilà, donc ça c'est l'anglaise qui est cuite à 83. Pour faire refroidir, on incorpore le miel et également deux feuilles de gélatine. Deux feuilles de gélatine. Voilà, d'accord. Donc là on va le retravailler au fouet, oui. Le mettre en poche pour ensuite pouvoir le pocher sur le dessert.